C'est un choix, mais si vous voulez la reposer chaque fois, allez-y, c'est que de la salive. C'est un choix, encore une fois. Vous avez vu qu'il ne joue pas. Je ne sais pas. Il ne joue pas, je ne sais pas. Plus que ça, il est dans le groupe bien souvent, mais il ne rentre pas. Donc nous, on est parti sur une logique de groupe. L'équipe tourne bien en ce moment, donc il va revenir. Je ne peux pas vous dire quand, je ne vais pas mentir. Mais là, pour le moment, en l'état actuel des choses, ça se passe bien. Donc on garde le statu quo. Moi, je raisonne en fonction de groupe. On a fait un groupe à la CAN. On a dit qu'on rajeunissait l'équipe. J'ai eu des choix à faire. J'ai vu le comportement de certains. Je regarde les temps de jeu, je regarde les comportements. Je suis tous les matchs, c'est mon travail. Mais après, je fais mes choix aussi. Je vous prie de... Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je vous prie de respecter ça. J'essaie de mettre un groupe en place qui commence à se connaître, qui commence à marcher ensemble et surtout d'une même voix. On n'entend plus de problèmes disciplinaires, on n'entend plus de problèmes extrasportifs. Pour le moment, alhamdoulilah, c'est clean. On n'a même plus d'agents de sécurité au CIDI. Les joueurs, ils se font la discipline eux-mêmes. Regardez ce qui se passe. Soyons contents que le climat soit sain. Moi, ça fait 5-6 ans que je suis en équipe nationale. On a toujours eu des problèmes de discipline. Là, est-ce que vous avez entendu un jour qu'il y a une fille qui est venue à l'hôtel, qu'il y a un truc? C'est des choses qu'il y avait avant, même si on le cachait tant bien que mal. Vous êtes au courant, vous êtes à l'intérieur de l'équipe, même si vous ne le dites pas, vous savez très bien. Aujourd'hui, c'est clean. Moi, quand je suis au rassemblement de l'équipe nationale, j'arrive à dormir. Avant, je ne dormais pas. Donc voilà, c'est pour vous dire que je réponds à une logique de groupe. Et soyons contents de ce qui se passe en ce moment, c'est tout ce que je vous demande. Pas prêt à venir à 100%, on ne peut pas aller le chercher à chaque fois. On a fait les efforts, ça fait presque 2 ans que je suis en place là maintenant. Je n'ai pas arrêté et je n'arrête pas. Mais l'équipe commence à être en place. C'est comme le train, à un moment donné, tu le prends ou tu ne le prends pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas, ça ne veut pas dire que l'année prochaine ils ne seront pas là, ça ne veut pas dire qu'à la CAN on ne va pas les prendre. Mais franchement, l'équipe qu'il y a aujourd'hui, je pense que vous êtes tous, vous voyez les matchs qu'on fait, on progresse. Avant, on jouait bien, on perdait. Là, on joue peut-être un peu moins bien, mais on commence à gagner. Je ne dis pas qu'on va gagner tous les matchs qu'ils nous ont proposés, mais ça va beaucoup mieux parce que les joueurs ils jouent ensemble.